Salut à toi mon gars, une vidéo, un cut, sans montage, sans Warsong et tout, c'est maintenant, c'est tout de suite. On va voir ensemble et on va analyser le titre de la vidéo, tous les riches ne sont pas tous pourris. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors au premier abord, tu sais, t'as toujours un fouille merde, tu sais, qui est là, qui est dans les parages. Bon, c'est pas forcément un manque de respect, mais je trouve ça assez lourd, tu sais, quand tu vois des personnes qui sont sur un yacht avec un cigare et des playmates, et qui sont en train de parler avec potentiellement d'autres multimillionnaires, là on peut le voir sur le bateau Miami FL, et que c'est un investisseur, il va carrément lui demander, hey, excuse-moi gars, alors là au premier coup d'œil, il est interpellé, parce que on voit quand même qu'il est dérangé, il est dérangé, qu'est-ce que tu vas là emmerder? Un gars qui est sur un yacht, bon, vous allez me dire, mais t'es quoi, t'es pour les riches ou t'es contre les riches? Je suis ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je constate, les gars. Je constate quoi? Bah que. Et à moi ça. Vous êtes investisseur? Ah, carrément, il lui. Le bot, amazing, man. Ton bot, il est incroyable, je suis amoureux du nom. En gros, là, il est déjà. Les quelques premières secondes, il est déjà en train de lui. La Master System. Hey, viens, monte à bord. Viens sur mon bateau. Ah ouais, tu veux vraiment que je monte? Oui, garde, garde, monte, monte. C'est ça, thank you for the lake sing run. Alors là, il est quoi? Carrément, il est incroyable. Il se dit. Attends, il me fait monter sur son yacht. Et là, tout du long, on va voir que le type. Hey, vous êtes Daniel Mac, le gars qui fait des vidéos. C'est ça. En fait, il a reconnu, mais il a reconnu potentiellement sur le pont. Il n'a pas reconnu à l'extérieur. Et on a vu que ce riche-là, il avait un cœur. C'est n'importe quoi cette vidéo, putain. Il avait un cœur d'artichaut en réalité. C'est pour ça qu'il y a des multiples escrocs qui vont se faire des couilles en or sur des multimillionnaires, parce que les Jeff Bezos et compagnie, là, ceux qui ont des fortunes sur Crésus, eh bien, c'est des gens qui sont super bien entourés, parce que sans leur entourage, sans une équipe derrière eux, je peux te dire que c'est peanuts, c'est des cacahuètes en barre, ces types-là!